Salut mes petits cristaux, bienvenue sur Max Recette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette recette sucrée. Aujourd'hui, on va faire un milkshake healthy ou smoothie glacé. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Si vous voulez la sensation d'un milkshake sans les calories, eh ben, c'est ce qu'il vous faut. C'est la première recette d'une longue série que je prépare pour l'été. Et les petits cristaux, pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux qui aimeraient savoir ce que je me suis fait juste ici, ceux qui n'ont pas vu, là, voilà. Et ben, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous le dirai. En fait, c'était le week-end des deux semaines, j'étais en Afrique du Sud et en fait, j'ai fait du surf et je me suis fait attaquer par un requin. Non, je plaisante. En fait, je me suis pris une porte. Ça fait blessure de guerre un peu, non? On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra 2 bananes congelées, 3 cuillères à soupe de myrtilles congelées et 1 verre de lait de riz, de soja ou d'amande. On va commencer tout simplement par mettre le verre de lait dans le mixeur avec les bananes congelées. On va bien mixer tout ça. Une fois que c'est bien mixé, vous y ajoutez les myrtilles congelées, vous mixez et c'est fini. Voilà, aussi simple que ça. Et voilà mes petits cristaux, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous avez vu comme c'est facile à faire, franchement, et en plus c'est super frais. Ça, quand tu vas faire chaud, c'est juste parfait. En plus c'est healthy. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'ai vu que vous étiez nombreux à liker un fameux burger. Vous savez, le burger avec bien gras de nouveau, hein, pour changer. Donc, la prochaine recette, ce sera ce burger monstrueux. Et avec l'arrivée des beaux jours, vous allez voir, je vais vous proposer plein de choses. J'ai vraiment un répertoire pour l'été, surtout pour les apéros. Ça va être juste parfait. Et quant à nous, les petits cuistots, on se retrouve pour la prochaine vidéo super grasse sur un autre recette.